Ok, je suis avec mon pote Mitro. On va faire un petit peu, on va faire voir ce qu'on va faire cette année dans notre club en garde fermée. Là, en fait, ça va être le programme niveau 1 en garde fermée. D'accord ? Donc, je vais faire les techniques, je vais les enchaîner les unes à la suite des autres. Et voilà, je vais survoler les détails. Alors, première technique qu'on va faire. Voilà. Vas-y, j'ai la main dans le col. Une main à la manche, je sors, j'ai un genou en protection, je tire vers moi et je monte. Là en fait, toutes les techniques qu'on va voir, mon partenaire dans la deuxième option, il va opposer une résistance et je vais avoir un contre. Donc là je fais toujours la même chose, bam, au moment où je pars pour renverser, voilà, il est là. Regardez, son col est ouvert, donc j'y vais là, et je ramène tout vers moi. Ok. Là, dans le deuxième renversement, c'est le sweep du ciseau, mais en fait on peut modifier. La première option c'est là, là je viens en plus croisé, et je suis là, d'accord? Là en fait, l'avantage de cette technique, c'est que j'ai beaucoup plus d'amplitude. C'est-à-dire que lui, dès qu'il va avancer, boum, le renversement part tout de suite. Alors, la réaction la plus commune sur ce renversement pour défendre, parce qu'il se sent vite en déséquilibre, c'est qu'au moment où il sent qu'il perd son équilibre, lui va se lever. Ok, pied sur la hanche, je vais chercher le talon, reste, on va tout de suite, et je fais le tripod sous. Ensuite, ouais, alors... on a cette technique où on va venir enrouler le bras. Bam. Donc là, vous connaissez, je pense que les plus gradés d'entre vous connaissent les étranglements en plata. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un renversement. Je vais rentrer ici, et là, je me mets perpendiculaire. Je trouve l'angle, et... Donc, deuxième option, je suis là, je suis rentré. Là, j'ai déjà essayé de rentrer une fois, donc il est en alerte, et il ferme ici, il ferme. Et là, je veux rentrer, je peux pas. Mais le fait de vouloir rentrer, regardez, ma hanche, elle se pousse de ce côté-là. Donc, je vais accentuer le mouvement, pousser sa tête, et partir en long plat. Ensuite, au bord du principe où mon partenaire il prend un grip ici, il commence au bout de la garde. Donc, je vais lever, casser et venir chercher ici. D'accord? Je mets une sortie de hanche, je rentre. Boum. L'autre option, donc toujours pareil, il a son grip pour ouvrir ma garde. Donc il y a plusieurs façons d'ouvrir. Hein. Je peux faire ça. Là, de cette position-là, je pourrais partir ici. Là, on va venir directement là. Je suis là. Je veux rentrer. Mais je le sens lourd, j'y arrive pas. Il défend bien. Donc ce que je vais faire, je vais garder mon grip fort ici, d'accord? J'attrape en bout de toile. J'attrape un bout de toile. Je vais me mettre sur mon avant-bras, d'accord? Et je vais faire coller mon genou. Je vais faire toucher mon genou dans le sol. D'accord? Jusqu'à ce que... si nous allons me chercher ici, je vais me poser une prochaine et je viens prendre le deux. Ok, là on a vu les positions où mon partenaire il essaie de m'ouvrir la garde au sol. Maintenant, il va essayer d'ouvrir ma garde en se levant. Donc il se lève. Première option. Très basique, très simple et super efficace. Je relâche tomber mes fesses dans le sol, je colle mes genoux, boum, et je me relève. Bam, 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 bam. Il se relève, je suis là, je pousse, je fais mon renversement,
là, forcément, en combat, il va y avoir une bataille. Il ne va pas me laisser, hein, il va pas me laisser là, tout de suite. Il va me pousser là. Pourquoi je pars. Donc, au moment où il pousse, je saute ici pour la queue droite. Et donc, la queue droite, je finalise ici. Okay. Attention, il se lève, je casse la posture ici, je viens passer là, je viens passer la main ici, je casse la posture ici, ok. Là, je viens ouvrir mes jambes, je vais ouvrir celle-ci, et je viens là, d'accord. Et là, je vais faire le renversement. Comment je vais faire le renversement? Je vais pousser là, et je vais mettre son poids de corps sur moi, donc je n'aurai pas de problème pour le rouler. Voilà, boum, 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 boum. Ensuite, si vous voulez essayer d'aller en tête, vous pouvez, ou alors, tout simplement, avec le bras sous le ciel ici, revenir en crosse. Là, je vais faire la même avec l'omoplata, et tu fais la roulade pour sortir. Donc, là, toujours, il se lève pour ouvrir ma garde. Boum, boum, je pars ici, j'attrape. Je casse la posture ici. Voilà. Il roule. Et lui, ce qu'il veut faire là, c'est comment dire, c'est remonter sur moi. Au moment où il va remonter, vous voyez son bras qui est là, je tire le bras et je rattaque sur mon omoplata ici.